L'opération nettoyage printemps, appelée aussi PropreMe, est terminée. C'est la fête de clôture. En arrivant au parc dans l'après-midi du dimanche 17 mai, on constate beaucoup d'animation et beaucoup d'activités. Des enfants s'initient à l'escalade, très sérieusement. De nombreuses étals diverses pour acheter des fleurs. Pour les CDI, et aussi pour les façades fleuries. Monsieur Segers occupe ce stand avec beaucoup de dynamisme. Il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser et se distraire. PropreMe, le fameux logo de l'opération nettoyage, était présent. Grâce à de charmantes dames qui en avaient revêtu le costume. PropreMe est un balai avec un manche. Voilà le manche. Si vous êtes intéressé par la couture et les tissus, il y avait ce qu'il vous fallait. Un concours promenade était organisé. Très important. Il y avait la buvette, dont la caisse était tenue par un charmant couple de pharmaciens. Et Edmond remplissait avec habileté les verres. Très belle ambiance musicale assurée par un accordéoniste et son batteur. Personnellement, je trouve qu'il fallait se retenir pour ne pas se laisser emporter dans la danse. Ah, quand les musiciens sont bons, il n'en faut pas beaucoup pour créer une bonne ambiance. Et dans le chapiteau, deux acteurs faisaient une belle présentation théâtrale et très instructive et écologique. Roméo, c'est le moment de faire fonctionner ta petite poitrine. Alors Roméo, imagine-toi que c'est l'hiver. Attention, je ne te parle pas d'un vrai hiver. Je te parle de journée glaciaire, de soirée glaciaire. Seul de protéger ta planète chaque jour à ton niveau, te voici devenu un super héros. Le chapiteau était rempli de nombreux enfants qui ont très apprécié. Dans l'extérieur, quelques petites démos de danse country. En voici quelques petits extraits. Et infatigable, notre accordéoniste met toujours l'ambiance. Claudine Mailly, alias Mémé Loubard. Je la connaissais de nom, j'en avais parfois entendu parler, mais je ne l'avais jamais entendue chanter. Je fus pris d'admiration et d'émotion lorsque je l'entendis. Je m'en voulais de ne pas connaître mieux les artistes de valeur de ma commune. Voici quelques extraits de son petit tour de chant. Attends, je décidais,
Parce que contrairement à ce que je pensais, c'était la première fois que vous organisiez et c'est vraiment de m'admettre que vous l'avez fait et c'est impressionnant parce que pour avoir organisé autrefois certaines choses, je connais les difficultés qu'il y a à y arriver. Et pour terminer, M. Delahaye donne les résultats de la promenade concours et M. Yenga remet les prix aux vainqueurs. Ce fut une belle petite fête, malgré un temps qui n'était pas fort favorable.